Et nous sommes en live, bienvenue sur ce live Welcome to the Jungle et Super Mood. On va parler d'un truc hyper intéressant et d'actualité qui est la marque employeur. Donc, la marque employeur, est-ce que c'est l'arme ultime pour attirer les candidats, euh, pour la rétention aussi peut-être des collaborateurs Est-ce que c'est la seule arme Est-ce qu'il y en a d'autres Voilà. Donc, aujourd'hui, deux invités pour euh, discuter de ça. Lauriane, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie Oui, je suis donc Lauriane, je, je suis responsable recrutement chez, chez Grande Thornton. Mm -hmm. Grand Thornton, c'est un acteur majeur du secteur de, de l'audit et du conseil. Euh, on intervient sur les métiers de l'audit, de l'expertise, de la transaction, ouais. euh, des risques, de la transformation durable. Et on a également un, un cabinet d'avocats. Mmh. Et mmh. moi, qu'est-ce que je fais Du coup, je, je m'occupe mmh. évidemment mmh. des recrutements avec mon équipe. On, on recrute à peu près 900 talents chaque année. Sur tous les domaines Ouais, tous oui, tous les métiers confondus. Okay. Euh, une quarantaine de pourcents d'entre eux sont des stagiaires et des alternants. Okay. On recrute aussi 30% à peu près de, de jeunes diplômés. Mm -hmm. Euh, on est également en charge évidemment des relations avec nos partenaires écoles et, et universités, euh, et je m'occupe aussi de la marque employer avec notre service communication en, en interne. Super. On dit Grand Thornton, Grand Thornton, comment On comment dit, dit Grand Thornton. Ouais, on va dire GT, ou Grand Thornton. <laughs> Très bien, super. Et ma droite Darina, bonjour Darina. Bonjour Kevin. Toi, tu travailles chez Welcome. Euh, Qu'est-ce que tu qu que fais Alors, écoute, moi, j'ai rejoint Welcome to the Jungle en février 2020. Très bon timing. Ouais. Voilà. Et euh, aujourd'hui, je suis Team Lead Customer Delivery. Oui. Donc en fait, je suis en charge d'une équipe qui a été créée récemment, en septembre dernier. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est l'équipe Customer Delivery, c'est une dizaine de personnes à peu près. On s'occupe à la fois d'accueillir les nouveaux clients qui arrivent sur Welcome to the Jungle pour créer leur vitrine. Onboarding. Exactement. Et on met à jour aussi la vitrine de nos clients existants. L'idée, c'est de montrer aux candidats les coulisses des entreprises et d'être le plus à jour possible dès qu'un candidat se connecte sur Welcome to the Jungle. Que ça reste authentique dans le temps. Etc. Absolument. Ok, super. Et ben bah, parfait. Bah, Ravi de faire ce live avec vous deux. Euh, de mon côté, donc Kevin Bourgeois, je suis le président et cofondateur de Supermood. On est une solution d'écoute des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va récolter les opinions des collaborateurs sur le terrain. Et on va prendre tout ça, en faire de la data et on donne cette donnée aux dirigeants, aux DRH, aux managers pour qu'ils puissent bah, piloter leur entreprise, euh, mesurer l'impact de leurs actions. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a plein de données factuelles sur ce qui se passe dans le monde du travail. Donc on est parti. Le, le programme euh, aujourd'hui, il est en quatre parties. La première partie, c'est bah, la marque employeur, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que ce n'est pas. Donc on commence par des définitions. Ensuite, comment on la construit cette marque employeur, comment on la pense, comment on la co-construit, qu'on co crée, etc. Et la troisième, c'est une fois qu'on a ces concepts, comment on le met en œuvre et on le diffuse en interne et en externe. La dernière partie, c'est 15 minutes de questions-réponses, c'est là où c'est souvent le plus intéressant. Euh, donc en fonction des questions, euh, Lauriane ou Darina répondront à vos questions. Vous aurez un replay à la fin de ce live, donc euh, prenez juste quelques petites notes, vous aurez toute la vidéo. On est parti pour cette première partie qui est Qu'est-ce que c'est que la marque employeur Alors, on commence avec une statistique sur la marque employeur qui est assez phénoménale. Je prends mes petites notes. C'est 79% des dirigeants d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés à recruter et 35% d'entre eux disent que c'est des difficultés hyper sévères. Bon, euh, est-ce que Lauriane, ça t'étonne euh, dans le contexte actuel Est-ce que vous constatez ça que Oui, en oui, non, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, C'est quelque chose qu'on vit euh, effectivement aussi hein, dans notre euh, industrie euh, et dans le secteur de l'audit et du conseil, qui est un ouais. secteur qui, historiquement, est, est toujours assez tendu hein, en termes de, de marché de l'emploi. Euh, mais euh, le marché s'est fortement contracté. Post-Covid, mmh. euh, parce que euh, les attentes des candidats euh, ont évolué, des salariés, parce si on est sur une tendance inflationniste euh, qui est liée aussi au fait que le, le, le marché de l'emploi est, est plutôt en, en plein emploi, euh, en tout cas pour les cadres. Euh, oui, ça, ça dépend pour qui. On ça est, dépend pour qui. <laughs> il, y a, il y a aussi un marché déflationniste dans d'autres secteurs. Pour, euh, oui, probablement. Donc, pardon. Oui, je, pardon. Je euh, voilà. Et donc, du coup, donc, c'est indispensable en tant qu'employeur et encore plus dans, dans notre secteur à nous de. De promouvoir je dirais, nos métiers et les parcours de carrière qui sont possibles mmh. euh, auprès des jeunes, euh, mais aussi des moins jeunes, euh, et aussi de se différencier de ces concurrents sur, sur le marché. Qui sont les Big Four euh, Oui, principalement ouais. les, les Big Four, euh, effectivement. Euh, mais on a aussi d'autres cabinets de conseil hein, euh, qui recrutent les, 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 des, des candidats qui auraient les mêmes compétences que les nôtres, ouais. et voire même aussi les entreprises hein, sur certaines, certaines fonctions. Qui elles se sont alignées justement sur les salaires du monde du conseil. Oui, tout, ouais, ouais, tout à fait. Superbe. Tout à fait. Et du coup, chez Grand Thornton, bah, pour pallier, essayer de, de rester compétitif euh, sur le marché du travail, on a, on a mis en place un, un certain nombre d'actions. Ouais. Euh, on a par exemple mis en place la semaine de 4 jours pour notre métier de l'audit. Okay. Euh, sur les mois de mai et, et juin pour permettre aux collaborateurs d'avoir bah, avoir une bouffée de, de respiration. Mai et juin, parce que c'est un métier saisonnier. Ça oui, tout à ouais. fait, c'est un métier saisonnier. Mm -hmm. Et mai-juin aussi, c'est une période euh, qui est propice au, au pont et au, au long week-end. Euh, exactement. Mm -hmm. Euh, on a également, donc, on est passé sur des modalités de travail flexibles euh, suite au Covid, et ça, c'est grâce d'ailleurs aux, aux informations et aux, aux volontés euh, de nos collaborateurs qui nous ont montés via Supermood. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, les collaborateurs s'organisent euh, en fonction euh, des impératifs clients euh, entre le bureau chez eux et, euh, et le client. Euh, donc c'est un principe de responsabilisation en fait du collaborateur. Voilà, dans son organisation euh, quotidienne ben on va revenir euh, précisément sur toutes ces actions et, et en fait c'est des actions qui ont mis plusieurs euh, mois voire années à se mettre en place donc on revient là dessus euh, après le second chiffre donc le second chiffre c'est un chiffre sur la marque employeur euh, c'est les entreprises qui investissent dans la marque employeur elles ont en moyenne 50% de candidats qualifiés en plus qui postulent donc. Darina, c'est ton sujet C'est le sujet de, de Welcome. Qu'est-ce que tu qu que en penses Et surtout, d'abord, c'est quoi la marque employeur La définition. Absolument. Alors, la marque employeur, en réalité, c'est l'image qu'une entreprise va avoir auprès oui. de deux cibles. La première, c'est les employés actuels. Et non. ensuite, c'est les potentiels candidats. Donc, pas que les candidats. Ah non, il faut surtout pas oublier ni l'un ni l'autre. C'est okay. vraiment les deux jambes. Et euh, pour refaire un petit peu d'historique. La marque employer c'est un terme qui est né en fait dans les années 90 aux États-Unis avec mmh. le terme employer branding. Et l'idée euh, de ce terme qui est né lors d'une conférence, c'était d'appliquer en fait toutes les techniques du marketing traditionnel aux ressources humaines. Avec des funnels d'acquisition, la marque, tout ça. Exactement. Tous ces funnels, ouais. Par exemple, là, l'entreprise va être considérée comme une, une marque à part entière. Mmh. Et du coup, bah, en marketing, tu dois faire quoi Tu dois euh, conserver tes clients actuels et en acquérir de nouveaux. Bah là, pour l'entreprise, ça va être la même logique finalement. Sauf que la matière, c'est le collaborateur ou le candidat. Exactement. Donc, encore une fois, on voit tout l'enjeu de la marque employeur, toute l'importance, comme tu venais de le dire, avec, avec ce chiffre de 50% qui est assez éloquent. Mmh. Attention, la marque employeur, ça doit vraiment faire l'objet de convictions très fortes qui sont portées en priorité par la direction de l'entreprise, mmh. et ensuite les communiquer à, à tous les collaborateurs pour la partager. Faut être très vigilant là-dessus parce qu'on peut vite aller à la dérive en fait. D'accord. Très... Et, et alors justement, euh, la marque en qu'est-ce que ce n'est pas en opposition bah, Comme ce que, je, ce que je te disais tout à l'heure, le risque, ce serait en fait d'oublier une des cibles ou d'en privilégier une par rapport à l'autre. Mmh. Par exemple, euh, s'il y a des managers qui vont tout miser sur le recrutement de nouvelles personnes à l'extérieur alors que déjà elles ne s'occupent pas bien de okay, celles oui. qu'elles ont dans leur équipe, là, ça pose un problème. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui va, entre guillemets, un peu vendre du rêve à l'externe. Et ceux qui sont déjà là, qui, qui font déjà tout le travail, se disent Mais en fait, euh, non, tout ce qui est dit, ça ne correspond pas à la réalité des choses. Comment, en termes business, aller chercher plein de nouveaux clients alors que tous nos clients actuels ne sont pas contents Exactement. C'est vraiment, vraiment euh, garder cet équilibre entre les deux cibles, les garder en mémoire. Mmh. Et d'ailleurs, pour te donner un petit peu mon retour d'expérience, tu vois. Euh, en tant que manager, quand je fais passer des entretiens à des candidats en process de recrutement, ou même quand il euh, y a des, <coughs> des, euh, des personnes de mon entourage professionnel qui, qui, qui discutent avec moi, ils me disent, mais est-ce que chez Welcome to the Jungle, c'est aussi bien en interne ouais. que moi, ce que j'en vois sur les réseaux sociaux ou autre Et du coup, on voit bien là ce besoin d'authenticité, qui est vraiment une valeur clé, en fait, qui est recherchée aujourd'hui par les candidats. Et quand il n'y en a pas, bon, en fait, ça finira toujours par se savoir. Euh, je te prends l'exemple de Balance ta start-up et autres, ouais. où là, pour le coup, euh, en fait, la réalité reviendra toujours au galop. Euh, donc, c'est très important de garder une vraie authenticité et surtout de, de faire ce qu'on dit. Donc, de préempter ce côté authentique, transparent, etc. Exactement. Bah, excellente transition euh, par, par hasard sur euh, la, troisième, euh, la troisième stat la troisième statistique c'est euh, qui moi personnellement m'a impressionné c'est l'opinion d'amis et des collègues c'est la deuxième source d'information des candidats quand ils postulent ou quand ils cherchent un emploi et donc ils, font, ils vont chercher des opportunités avec, euh, avec leurs amis ou collègues et aussi ils vérifient la réputation des, c'est exactement ce que je disais, des, des marques ou en tout cas des, des entreprises. Donc aujourd'hui avec LinkedIn, avec Glassdoor, on a de plus en plus de facilité à comprendre la réalité de ce qui se passe dans les, dans les entreprises et donc c'est hyper important, nous c'est le fondamental de Supermoon qu'à l'intérieur, ça se passe vraiment bien pour que ça se voit à l'extérieur, comme dirait une marque de yaourt. Euh, donc le, le travail des entreprises, il est à la fois de valoriser ce qui se fait, mais aussi d'augmenter les actions, et des actions qui doivent avoir un impact, sinon on est sur quelque chose de superficiel et, et qui se gratte assez vite. Superbe, bon, on va passer à la, à la, à la, deux, première, à la deuxième partie, euh, qui est cette marque employeur comment on la construit, comment on la, on la pense avant de la déployer. Alors, euh, chez, chez GT Grand Thorne, Grand Fortune, Lorianne, ça fait trois ans que vous travaillez votre marque employeur. Euh, c'est parti d'où Ça a été quoi la, la naissance de ce projet Alors, c'est un projet qu'on a lancé pour... Euh être en mesure justement de répondre aux enjeux sur, sur le marché de l'emploi, mmh. euh, tout simplement, et mettre en valeur notre identité, notre culture d'entreprise qu'on estime différenciante euh, sur le marché par rapport à, à nos confrères. Mmh. Euh, et du coup, l'objectif d'une marque employeur, comme le disait Darina, il y a deux volets. Il y a un volet euh, d'attractivité, de notoriété vis-à-vis -vis des candidats, mais aussi, et j'allais dire surtout, pas forcément, mais aussi et énormément euh, un enjeu de, de rétention et de fidélisation des, des talents qui sont dans, dans l'entreprise. Du coup, c'est un projet qu'on a qu construit avec les collaborateurs du cabinet et avec le, le top management. Euh, et il est parti de, du projet Bienveillance, euh, qui est un projet porté par notre président au plus haut niveau, hein, Robert Dambeau. C'est ce que tu disais, Darina, ça vient du, du haut, généralement. Oui, effectivement, c'est indispensable pour que ça insuffle dans tout le cabinet. Euh, et la bienveillance, en fait, chez nous, c'est le pilier de notre culture, de notre manière aussi d'exercer nos métiers. Mmh. Euh, et c'est vraiment au, au quotidien, au cœur de nos préoccupations pour pouvoir faire grandir le... Les collaborateurs, mais je reviendrai plus en détail. Sur comment euh, Voilà, sur comment euh, tout à l'heure. Et donc, quand on parle de la bienveillance, qui est un terme assez galvaudé dans le monde euh, du business, il faut du coup définir ses limites, le mal accès, dire ce que c'est, ce que ce n'est pas pour Grande-Tortonne, la bienveillance. Mmh. Euh, vous avez été accompagné, comment vous l'avez la, définie cette marque employeur au fur et à mesure des années Alors, notre marque employeur, on l'a construite euh, avec l'aide euh, d'une agence de communication. Oui. Euh, qui nous a accompagnés. Euh, je ne sais pas, Darina, si ton avis est le même, mais on est, on, nous, en tout cas, on a estimé que c'était indispensable d'être accompagné par un acteur externe euh, pour qu'il y ait une vision objective, euh, qu'aussi que la parole des collaborateurs soit libérée. Euh, donc, du coup, cette agence nous a accompagnés. Ils ont réalisé un, différents sondages, un sondage en externe euh, pour pouvoir euh, avoir une vision précise des attentes des, des candidats sur nos marchés. Ah, euh, un externe sur les gens qui postulaient ou euh, sur l'ensemble du. Non, non sur un échantillon, oui. OK, de... représentatif de candidats. Voilà, okay. exactement. Euh, on a eu aussi un sondage en interne auprès des collaborateurs euh, GT et on a mené des ateliers avec les collaborateurs et avec aussi le le top management pour justement mmh. euh, construire cette marque employeur et qu'elle soit euh, le reflet de l'expérience collaborateur euh, au sein du cabinet. Euh, donc c'est un, ouais, un, un concept qui est basé uniquement sur les feedbacks euh, mmh. qu'on entrecroise après évidemment avec les attentes des candidats pour répondre euh, aux, besoins du, ouais, aux besoins du marché. Euh, mais c'est vraiment euh, uniquement le, le, le feedback des, des collaborateurs ben Pour que ça soit authentique Exactement. chez, chez Supermood, bon, on travaille là-dessus hein, vu, vu qu'on récolte le feedback des, des collaborateurs mm. et je sais que chez Grand Thornton vous, avez, vous avez utilisé que ce soit des verbatimes ou des métriques assez, mm. euh, assez objectives mm. pour mesurer comment ça, ça a évolué et ce côté tiers partie donc une agence, Supermood ou en tout cas quelqu'un qui est neutre dans l'entreprise c'est hyper important pour que la parole soit vraiment libérée mm. Euh, Darina, le, le côté euh, tiers-partie transparence, c'est un truc que euh, vous travaillez euh, avec, euh, avec Welcome Alors, euh, c'est optionnel de faire appel à une personne d'extérieur mmh. pour euh, aider justement à construire ou à valoriser la marque employeur. Nous, en tout cas, euh, les équipes Customer Delivery le font. Et je dirais, quel que soit le porteur de projet, entre guillemets, que ce soit une personne à l'intérieur. À l'intérieur de l'entreprise ou une agence qui est dépêchée. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment genre, sortir le jus de ce que veut l'entreprise et ouais. le traduire sur les vitrines Welcome to the Jungle. Donc, euh, après, oui, l'idée, c'est que, euh, comme on parlait tout à l'heure d'authenticité, le message soit vraiment véhiculé par les collaborateurs. Ce que j'allais dire, nous, on est clients chez Supermode de Welcome to the Jungle et il n'y a pas de brief de l'entreprise sur ce que doivent dire les collaborateurs. Les collaborateurs, ils racontent euh, ce qu'ils pensent de l'entreprise. Et, et on, on leur donne pour le côté euh, devant une caméra euh, quelques guidelines, mais il n'y a rien d'imposé en tout cas par la direction. Alors comment ça se passe En effet, euh, nous, les équipes Customer Delivery, dès qu'on qu a en face de nous un client, bien sûr, on va commencer par prendre son brief théorique, je dirais ouais, sur quels oui. sont les aspects de la marque employeur que l'entreprise veut valoriser. Mmh. Donc, quels sont les éléments de langage, quels sont les messages à faire passer auprès des candidats, quels sont les futurs recrutements qui sont prévus pour que nous on puisse aussi mettre l'accent sur certains profils en particulier. Mmh. Ceci étant dit, bien sûr, après en fait, visuellement, la traduction, la, la, je dirais, l'identité visuelle d'une vitrine Welcome to the Jungle, elle passe à 100% par les collaborateurs. Exactement. Donc concrètement, nous, comment ça se passe On organise le tournage chez les clients. Donc ça veut dire que le client doit nous donner le brief de, par exemple, bah, si je prends euh, toi, Lauriane, tu m'aurais dit, bah, nous, la bienveillance, c'est le mot euh, cœur qu'on veut faire ressortir. Eh bien, nous, nos équipes, avant de dire, bah voilà, quelles seraient les idées de mise en scène photo, de positionnement de certains collaborateurs pour faire transpirer en fait cette valeur. Et de la même manière, euh, sur les interviews vidéo, tu sais, on prend des interviews vidéo des collaborateurs. Donc, comme tu disais, l'idée, ce n'est pas de leur donner un script, euh, tiens, avale-le et recrache-le, mm -hmm. pas du tout. C'est de dire, déjà, se poser. Donc, il y a bien sûr une phase de préparation, je ne veux pas la minimiser, mais en effet, le chef, le chef de projet se pose avec les collaborateurs qui vont prendre la parole. Et voilà, qu quels sont les messages qu'on a envie de faire ressortir Est-ce qu'on veut parler de projets en particulier Est-ce qu'on veut parler de cursus euh, avant de rejoindre ce poste-là oui. Est-ce qu'on veut parler euh, d'un projet challengeant Voilà, donc c'est ces, toutes ces questions en fait qui vont permettre de donner des billes aux candidats. Donc oui. bien sûr, il y a un brief qui est fait en amont pour valider les messages, mais une fois que c'est le collaborateur qui est devant la caméra, bah, c'est vraiment c'est son retour d'expérience à lui qu'on oui. attend. Bah, chez Supermood, on travaille le, le feedback grâce euh, la marque employeur grâce au feedback. Donc, il y a quatre bénéfices euh, qui sont assez importants. Le premier, c'est que ça permet d'avoir cette symétrie des attentions entre les candidats et les collaborateurs. Forcément, on arrive à améliorer l'engagement et ça se voit dans, dans tout, dans les process de recrutement, dans comment les gens en parlent sur Welcome ou, ou sur d'autres channels, etc. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important. Le deuxième, c'est comment on oriente et on priorise. C'est ce que tu disais sur le brief. Quand on est au niveau de tout un groupe, on peut faire des milliers d'actions sur la bienveillance. Il y a des milliers de choses à faire. Donc la question, c'est comment on arrive à mesurer les attentes des collaborateurs en interne et prioriser ce qui va avoir le plus d'impact. Et surtout, factualiser cet impact. Parce qu'on peut, on peut faire des choses et puis ça peut plaire à l'audit la, et pas au légal, par exemple. Voilà. Donc c'est assez important d'avoir cette granularité d'analyse. Il y a un, un troisième truc qui est récolter sur le terrain euh, la déclinaison stratégique. Par exemple, la bienveillance, encore une fois pour l'audit ou pour euh, les avocats, c'est peut-être pas du tout traduit de la, de la même façon. Voilà. Et après, il y a ce côté co-construction du feedback qui aide, qui aide beaucoup. Sur, euh, sur euh, Grand Thornton, du coup, les... ça se décline comment C'est quoi les trois, quatre valeurs euh, de la marque employeur de, de Grand Thornton ouais, Alors notre marque employeur, nous, c'est l'expérience de la confiance. C'est la confiance, ok. Voilà. Et en fait, euh, cette marque employeur, elle est soutenue par euh, trois piliers euh, la confiance en soi, la confiance en les autres et la confiance en l'avenir. Et ouais. qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, en fait, chez Grand donc, ce qui est ressorti hein, justement des, des témoignages, ateliers, etc., menés avec les collaborateurs, c'est qu'évoluer dans un climat de confiance euh, leur permet de se développer euh, sur le plan individuel, mmh. euh, développer leur confiance en eux. Donc ça, ça passe par les formations, ça passe par la responsabilisation progressive, ça passe par euh, l'autonomie qu'ils ont aussi assez rapidement dans leur mission, euh, tout en évoluant finalement dans un environnement euh, stimulant. Donc, par euh, la taille humaine de nos équipes, la convivialité dans les échanges et les aussi missions. par euh, voilà, les missions. Ouais. Et aussi la pluridisciplinarité des expertises et des métiers chez nous, qui leur permet euh, potentiellement bah, de collaborer avec euh, des personnes qui n'ont pas le même parcours, qui ne ouais. font pas le même métier au quotidien. Et ça, finalement, ça les enrichit énormément. Connectés euh, en interne. Exactement. Et ça crée une vraie dynamique, en fait. Euh, et aussi, ce qui est ressorti également, c'est que les collaborateurs euh, considèrent que Grand Torton est un cabinet euh, à la fois euh, agile et flexible, mm -hmm. euh, donc, ce qui nous permet d'être réactifs et d'être compétitifs sur le marché vis-à-vis -vis de, de nos clients, euh, grâce aussi à l'innovation. Ouais. Euh, et également, ils mentionnent euh, régulièrement nos engagements RSE, okay. euh, qui ont été pris à la fois en interne mais aussi en externe, puisqu'on a lancé il y a quelques mois un, un nouveau métier, qui est celui de la, de la transformation durable. Alors c'est quoi la transformation durable Si on se transforme pendant des années et des années La transformation durable, c'est pour répondre, en fait c'est un métier qui répond aux enjeux liés à la RSE, au développement durable, à la santé environnementale. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur, dans leur transition vers un monde, et je dirais un, une manière d'exercer leur, leur métier au plus responsable. Donc c'est plus la confiance, pour revenir à la confiance, et la confiance en l'avenir, oui, en n'étant euh, pas que spectateur de l'avenir, mais aussi être acteur de, de l'avenir. Exactement. Ok, donc trois, trois types de confiance. Je sais que vous avez mis euh, plein d'actions en place, euh, suite au feedback euh, via Supermood ou, ou d'autres channels. Est-ce que tu as des exemples d'actions de, qui ont été mises en place Alors l'exemple le plus emblématique pour moi, euh, que je mentionnais tout à l'heure, c'est la mise en place de... de la flexibilité. Okay. Euh, Flex office, télétravail. Voilà, ouais. exactement, qui était une attente très forte mmh. euh, après le Covid, mmh. euh, après le confinement. Euh, c'est une action aussi qui a été mise en place parce que, comme je, je vous le mentionnais tout à l'heure, ce qui est très important pour nous, c'est le bien-être des collaborateurs au sein du cabinet. Alors, on peut pas tout faire. C'est que parfois, on nous remonte des, voilà, ouais. des volontés sur euh, Supermood qu'on ne peut pas euh, adresser à 100%. Mais en tout cas, on se pose systématiquement la question. Euh, les managers, en plus, chez nous, ont accès aussi à Supermood, aux résultats. Donc, ça, ça nous permet d'avoir des actions un peu plus ciblées, un peu plus micro, Qui sont en locales. fonction. Ouais. Voilà en fonction des équipes, comme tu le disais tout à l'heure, parce que les attentes ne sont pas forcément les mêmes en fonction du métier qu'on exerce, en fonction aussi du niveau d'expérience des collaborateurs. Oui, tout à fait. Euh, quand on a euh, 10 ans, 15 ans d'expérience, on n'a pas les mêmes attentes que quand on est jeune zip et qu'on qu vient d'arriver dans l'entreprise. Euh, voilà, donc pour moi c'est vraiment l'exemple le plus emblématique. Après, il euh, euh, y a beaucoup de choses hein, euh, qui, sont, qui sont remontées. Et globalement... Euh, toutes les actions qu'on met en place ouais. sont le fruit des feedbacks des collaborateurs. – Ok, c'était intéressant parce que donc on, on accompagne Grand Horton depuis 2018, donc ça fait pas mal de temps, okay. et, et on a vu la nature des actions vraiment changer, notamment post-Covid, on était sur beaucoup d'actions de posture, sur les troubles musculosquelettiques, okay. vous avez fait de la sophrologie, etc. Et puis des choses beaucoup plus profondes, comme bah, typiquement le télétravail, la, la communication interne, les rituels aussi de partage de l'information. Donc il y a plein de choses qui, euh, qui viennent finalement nourrir cette marque employeur de, de l'intérieur. Oui. Et, et je, je le précise, on en parlait avant, avant ce live, mais euh, vous, avez, vous avez gagné 50 points d'engagement en, euh, en 4 ans. Oui. Euh, C'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, nous, on a 250 clients et il euh, y a une dizaine de clients qui ont réussi à... À gagner ces 50 points d'engagement au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des. C'est quelque, enfin, quelque chose de très itératif. Mmh. On ne gagne pas 20 points par mois et puis ensuite on, on a un palier. C'est plus, on gagne 3 points, 4 points, 5 points. Et depuis la création de votre marque employeur, ça a créé vraiment cette dynamique de chaque mois, on va aller mmh. chercher un point, deux points qui cumulés font 50 points hyper vite. Oui, bon, on fait très attention, comme je vous le disais, à... En fait, de, 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 de promouvoir notre marque employeur et faire en sorte qu'elle soit efficace et efficiente, c'est évidemment de faire en sorte que les collaborateurs soient bien chez nous. Oui. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait très attention aussi à, à l'engagement. À, à la réalité de l'interne. Mmh, tout à fait. Eh bien super. On va partir sur la troisième, euh, la troisième partie. Donc la troisième partie, c'est tout simple. C'est on sait comment maintenant créer une marque employeur, comment on la déploie en interne ou en externe. Mmh. Darina, c'est ton boulot, ta passion, ton job. Euh, c'est quoi les must-have pour bien déployer une marque employeur une fois qu'elle est construite Alors, je dirais les must-have de la marque employeur. Bah, déjà, ça va être de bien définir la culture d'entreprise, les valeurs, la mission de l'entreprise. Définir, c'est formaliser. Formaliser. Encore une fois, comme ouais. je disais, ça doit vraiment partir d'une volonté euh, de la direction ouais. et après l'insuffler euh, aux collaborateurs et le faire vivre au quotidien. Et puis, ça peut être aussi d'autres euh, aspects de la marque employeur, comme les avantages, par mmh. exemple. Comme on disait tout à l'heure, euh, d'abord, chouchouter les personnes qu'on a en interne pour pouvoir plus facilement euh, avoir de, de l'entrant. Euh, et aussi, pourquoi pas insister sur d'autres aspects euh, de l'entreprise. Ça peut être euh, bah, le cadre de travail. Aujourd'hui, nous, on voit des. Alors, je suis hyper jalouse quand je vois les vitrines passer. Euh, des entreprises qui sont en, en région et qui font des photos. Alors, ils nous demandent de prendre des photos de leurs collaborateurs devant les montagnes, euh, devant le lac d'Annecy, où ils ont des, des grands jardins. Bon, à Paris, il y a des fois des belles terrasses aussi. Donc, voilà, c'est important, en fait, je dirais, euh, pourquoi pas, de capitaliser sur l'environnement de le travail, le cadre de travail. Et en plus de ça, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, vous avez parlé chez Grant Horton de télétravail. Et du coup, le fait de se dire, OK, il y a un rythme de télétravail qui existe, mais quand je viens au bureau, bah, je sais que j'ai une atmosphère qui est propice aux échanges, à passer du temps avec mes collègues. Donc voilà, ça, je dirais, c'est euh, déjà les, les must-have. Et après, en fait, il y a des entreprises qui sont déjà matures sur ces aspects de marque employeur c'est plus de valoriser derrière. C'est ça, en fait, je trouve que c'est hyper frustrant. Les entreprises qui ont le savoir-faire, mais qui n'ont pas le faire savoir. Et du coup, c'est là où nous, chez Welcome to the Jungle, et plus particulièrement dans notre équipe, on va euh, bah, sortir encore une fois tous ces atouts euh, qui existent déjà dans l'entreprise mmh. et chercher à les valoriser sur Welcome to the Jungle à travers cette fameuse vitrine. C'est comme ça qu'on appelle la page d'entreprise. Et du coup, pour aider... Euh, les chefs de projet euh, dans les chez les différents clients qu'on a à mettre des mots et à organiser ces aspects de la marque employeur, on a créé en fait sur le site des, des modèles, des templates de pages mmh. que les euh, chefs de projet peuvent après remplir. Qui Donc. dirige la réflexion sur la valorisation. Exactement. Donc, parmi ces onglets, tu vas avoir l'onglet culture en premier ouais. où tu vas pouvoir euh, expliquer l'histoire de l'entreprise, comment est-ce qu'elle a été créée. Tu vois, pour une startup, c'est hyper intéressant aussi parce que les candidats vont rejoindre aussi pour ça. L'aventure. Ouais. L'aventure, euh, pas que pour les startups, bien sûr, mais je trouve que c'est une manière aussi de faire du storytelling auprès des, des, des personnes qui ne connaissent pas forcément encore l'entreprise par sa notoriété. Mmh. Donc, voilà, l'histoire de l'entreprise avec… Euh, euh, les chiffres clés, euh, où est-ce qu'elle va aussi, C'est ce son ambition, est exactement, est-ce que tu veux rejoindre le bateau ouais. euh, On va parler aussi des valeurs, mais au-delà de juste un mot qui, comme tu pouvais dire tout à l'heure, peut être galvaudé, expliquer comment est-ce que cette valeur s'exprime au quotidien. Mm -hmm. Et aussi, un troisième aspect qui est l'engagement et RSE, qui est un critère de plus en plus pris en compte, bah, tu le disais tout à l'heure, Lauriane, par les candidats. La création de l'offre euh, transformation durable, ça irait chez Gandordon Absolument. Vers ouais, ouais. Ça serait dans Complètement. C'est ouais. vraiment de cet onglet. Le fait d'avoir des onglets euh, récurrents, je dirais, ça permet aux candidats de tout de suite savoir où cliquer pour trouver l'information qui les intéresse. Tu euh, as un deuxième onglet qui s'appelle les plus où là, bah, c'est souvent ce qui intéresse le plus les candidats. Forcément, c'est quels sont les avantages à quoi est-ce que j'aurai droit quand je vais rejoindre l'entreprise Est-ce est que c'est la vue sur Annecy ou c'est les tickets resto euh, Ça va être même plus que ça. C'est ce qu'on appelle en anglais les perks. Donc okay. euh, tu peux avoir... Euh, euh, de la, des BSPCE, tu peux avoir en effet euh, je sais pas, des cours de sport. Euh, C'est toutes les petites choses qui les sont mises en place. Absolument. Tu as aussi les perspectives de mobilité pour savoir, euh, bah, okay. tu rejoins l'entreprise à une date, mais où est-ce que tu seras dans 2, 3, 5 ans Mobilité géographique euh, Non, mobilité euh, plutôt euh, évolution de poste, de, métier, de carrière, ouais. avec euh, des exemples concrets de personnes qui ont suivi cette trajectoire-là. Par exemple, je suis rentrée en stage et puis euh, j'ai eu l'opportunité de poursuivre sur un CDI. Où je suis rentrée en junior et j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur un poste de manager, etc. On factualise encore une fois le, tout à fait. la réalité. Ouais. Et euh, toujours dans cet onglet, les plus, il y a une dernière partie qui est la vie d'équipe. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un critère. C'est OK, il y a du télétravail, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mais quand je viens, c'est pour aussi faire partie d'un collectif, d'un ensemble. De, de profiter de mes collègues. Et euh, là, tu vas pouvoir parler des séminaires que tu organises, des after -work, des différents rituels en fait, euh, et événements. L'onglet bureau et télétravail, bon, je ne reviens pas dessus, mais c'est aussi, euh, bien sûr, euh, un onglet qui intéresse les candidats. Et un dernier onglet, qui est l'onglet tech, où là, c'est un peu plus spécifique pour les entreprises qui recrutent euh, ce type de profil. Donc voilà, une fois qu'on a dit euh, on a parlé de cette aide en fait euh, pour valoriser la marque employeur, une fois que l'entreprise a effectué ce gros travail, nous, ce qu'on encourage les chefs de projet à faire, c'est, OK, ça apparaît sur Welcome to the Jungle, mais en plus de ça, ils peuvent le diffuser peut-être sur leur site Internet, sur leur site carrière, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc c'est un travail, je dirais, de longue haleine, mais qui peut être carrément réutilisé par la suite. Excellente transition, Lauriane. Oui, vous, euh, vous diffusez où Qu'est-ce que bah, Notamment, on travaille tous les ans avec Welcome to the Jungle hein, parce qu'on a évidemment une, une vitrine sur, sur le site et on réalise des vidéos, des shootings euh, grâce à, à Welcome. Et pour nous, c'est en fait c'est une super manière de mettre en avant notre marque employeur et le vécu des collaborateurs. Euh... On, on, on réalise aussi donc des interviews très régulièrement. Euh, en interne on a lancé par exemple une web série qu'on appelait dans le grand bain yeah. euh, qui a pour objectif de avec un genou très, très fin euh, qui a pour objectif de mettre en, en valeur en fait nos, nos juniors euh, Donc l'idée c'est d'impliquer les collaborateurs ensuite la marque employeur elle se diffuse aussi au quotidien euh, euh, évidemment euh, à l'occasion des forums écoles et des rencontres avec les étudiants évidemment, à l'occasion aussi des processus de recrutement, donc que ce soit avec mon équipe ou avec les collaborateurs. Donc c'est vraiment, je dirais, des éléments de langage, comme tu disais, Darina, et à la fois aussi des témoignages très concrets sur des situations quotidiennes. Euh, qui passent par des vidéos, mais aussi et beaucoup par les échanges avec, euh, avec les candidats. Tu constates euh, les candidats qui contactent des salariés de Grant ouais, okay. Et pas forcément d'ailleurs des personnes qui connaissent. Il y en a évidemment qui disent ah bah je, je connais quelqu'un qui travaille chez vous ouais. euh, donc j'ai eu des bons échos etc mm -hmm. mais j'en ai d'autres aussi qui me disent euh, bah en fait j'ai cherché des collaborateurs de chez vous sur LinkedIn j'en ai contacté quelques uns pour avoir leur feedback et il euh, y en a qui ont euh, qui m'ont répondu euh, ouais, euh, positif de référence il va dans les deux sens c'est j'ai l'impression après je ne suis plus candidate mais j'ai l'impression que c'est quasi systématique maintenant okay. dans le process ouais. de candidature Ok, hyper intéressant. Et, et cette marque employeur, elle, elle évolue. Comment, euh, comment vous la faites évoluer Comment vous adaptez le tir parfois mmh. Est-ce que vous la spécifiez à certains métiers euh, ou c'est quelque chose plutôt de générique Non, en fait, elle évolue constamment déjà parce que le marché évolue, les attentes des candidats évoluent, les attentes de nos collaborateurs évoluent aussi, donc on met en, en place de nouvelles choses. Donc il faut qu'on les, les, les mette en avant aussi à l'externe. Donc c'est une évolution constante. Euh, pour répondre à ta question, on cible parfois par métier, parfois par euh, euh, niveau d'expérience ouais. aussi. Euh, et puis euh, ouais, donc et puis aussi une marque employeur, il faut qu'elle évolue dans le temps et c'est aussi pour nous un objectif de comportement, c'est-à-dire de dire en fait. Euh, vivre dans un climat de confiance et de bienveillance, oui, c'est un fait chez Grande-Tortonne, mais c'est aussi un objectif. Donc pour vous qui nous rejoignez demain ou après-demain, ouais. euh, on attend ça aussi de vous en termes de comportement, que vous fassiez preuve de, de courage bienveillant, que vous fassiez preuve d'ouverture, de coopération, euh, qu'en tant que manager, euh, vous compreniez et vous assumez le fait que votre rôle, c'est de faire grandir les plus jeunes et de les rendre autonomes. C'est hyper important. n'est pas de nous. rejoindre une bonne entreprise, c'est d'aider à construire oui. euh, et à pérenniser à une fait. bonne entreprise. Okay. Mm. c'est hyper intéressant sur la sur la déclinaison. Euh, on parle de Grand Thornton euh, France justement. Mm. Euh, il y a des spécificités culturelles par rapport aux États-Unis ou comme c'est quelque chose d'anglo-saxon. Oui, à la base. très certainement. Alors, ouais. je reconnais que je, je suis pas forcément très au fait de, de ce qui se fait à, à l'étranger chez nous, mais de toute façon, le marché n'est pas le même, les attentes non plus. Euh, J'imagine des candidats et des salariés sont oui. pas forcément les mêmes. Euh, donc forcément, il y, y a des ajustements. Euh, en tout cas, l'expérience de la confiance, c'est la marque employeur de Grande Thornton France. France. Okay. Euh, voilà sur le marché. Euh, qui est porté par le DG, donc vraiment France, et qui est décliné le président, le président la pardon, en général et l'ensemble oui. de la communauté des, des associés. Euh, qui le cabinet. Ok, très intéressant. Sur, euh, sur le côté euh, granulaire, euh, chez Supermood, on, donc on, fait des, on fait des analyses d'onboarding et de marque employeur et on se rend compte parfois que les concurrents qu'on a en termes de recrutement sont des concurrents qu'on n'imaginait pas. Par exemple, ce n'est pas parce que vous recrutez euh, chez Decathlon que tous vos candidats ont aussi postulé chez Gosport, Intersport, etc. Et donc on s'est rendu compte que, par exemple, dans, sur un acteur du sport qu'on accompagne, euh, les candidats sur tout ce qui était digital était pas du, ne postulaient pas du tout dans les domaines du sport, mais plus dans les domaines euh, du retail en général. Donc vous êtes un décathlon, vous êtes plus en concurrence avec un Leroy Merlin ou avec un boulanger qu'avec un Intersport. Et donc c'est important d'avoir cette, cette métrique, cette euh, finesse d'analyse. Et ça évolue dans le temps en fonction de ce, de ce qui se fait. Super, on va, on va passer euh, sur une, une, une statistique qui est, qui est assez, euh, assez incroyable aussi, qui, qui vraiment vient factualiser ce que, ce que tu dis. C'est euh, le fait que 99% des répondants considèrent que les salariés ou ex-salariés sont les plus crédibles pour parler de l'entreprise. 1% sûrement le patron ou les RH, euh, mais du coup il y a vraiment cette, cette recherche d'authenticité. Euh, on parle souvent d'employee de, advocacy. Mmh. Euh, c'est un terme que vous utilisez chez Grant Thornton, c'est un truc que vous avez, euh, vous avez travaillé Oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est euh, euh, après l'idée, c'est de évidemment mobiliser les collaborateurs au maximum euh, pour. Euh, euh, qui puisse être ambassadeur, je dirais, du, du cabinet. Ouais. Euh, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois on, les met, on, on leur propose de les mettre en valeur. Euh, soit eux personnellement en termes de parcours mmh. euh, mais aussi en termes d'évolution de carrière ça rejoint ce que tu disais d'Arina on a fait il y a quelques c'était il y a deux c'était avant le Covid je crois on a fait toute une série de petites vidéos sur les mobilités internes par exemple ouais. euh, sur euh, bah, l'évolution de nos stagiaires nos alternants les mobilités voilà j'allais dire classiques ou parfois les revirements un petit peu de, de métier on avait les deux les deux ouais, on a, on a eu des mobilités on a hein, des, régulièrement des mobilités géographiques oui on <laughs> euh, et on a ouais, aussi, aussi des mobilités qu'on appelle fonctionnelles entre guillemets, c'est-à-dire passer d'un métier à l'autre. Ouais. Et par ailleurs, on a mis en place un, un programme qui est la Master Academy mm -hmm. chez Grand Thornton. C'est un dispositif qui permet aux collaborateurs justement de partir, de passer quelques mois dans un autre métier du cabinet pour le découvrir, Alors, acquérir de nouvelles compétences exactement, et peut-être se dire bon, en fait, c'est vers ce métier-là que j'ai envie d'orienter ma Ma carrière et il y a un deuxième volet qui est un, un volet euh, plus euh, je dirais académique. On a un, un partenariat avec euh, l'ESSEC oui. euh, et on propose aux collaborateurs de, de, de suivre des formations certifiantes sur des sujets qui sont pas forcément en lien avec euh, leur métier au quotidien. Ça peut être sur la géopolitique, les RSE, etc. Okay. Mais ça vient enrichir. Euh, Exactement. L'objectif de... en fait c'est de permettre de se positionner en tant qu'employeur aussi euh, comme euh, un tremplin, je dirais, de ouais. carrière pour les collaborateurs et leur permettre de les accompagner dans leur vie au sens large et pas simplement pour leur vie chez Grand Torton. Très bien, ouais. c'est un accompagnement de, de vie, finalement. Exactement. Et de, de, en tout cas de carrière professionnelle. Voilà. Euh, et pas seulement d'un moment dans une entreprise qui, qui a une fin et un début. Quoi. Exactement. Hyper intéressant. Et chez, et chez Welcome, Darina, vous avez plein de choses à proposer. Depuis que vous avez sorti Welcome Original sur la semaine des 4 jours, tous mes salariés me remontent dans Supermood. Euh, Qu'est-ce que l'employé advocacy chez Welcome C'est quoi C'est que la semaine de 4 jours Il y a d'autres choses Non, bien sûr que non. Il y, y, y a beaucoup de choses. L'employé advocacy, donc le fait que les salariés soient de véritables ambassadeurs de l'entreprise, ça peut passer par plusieurs choses. Bah déjà, je dirais être ouvert à des potentiels candidats qui vont venir nous poser des questions sur les réseaux sociaux, ce que tu disais tout à l'heure. De plus en plus aujourd'hui, il y a cette horizontalité, cette ouverture qui permet aux uns et aux autres de, de se parler sans se connaître véritablement. Donc, euh, je dirais, le fait de capitaliser sur les atouts en interne et de faire en sorte que les employés actuels se sentent bien, mm -hmm. bah c'est d'autant plus de chances qu'ils répondent et qu'ils répandent aussi leur, euh, leur enthousiasme auprès de enfin, envers l'entreprise, auprès des candidats qui pourraient les... Euh, sollicité c'est linkedin le vecteur de sollicitation linkedin pas là. mal ouais, LinkedIn, pas ouais. mal okay. après euh, une autre, un autre euh, une autre illustration je dirais de la transparence euh, c'est tu vois pour faciliter cette prise de contact parce que bah nous on est 300 donc euh, qu'est ce que tu vas contacter en tant que ouais. candidat c'est pas simple mmh. pour faciliter justement cette démarche tu vois toutes les offres d'emploi que nous on publie sur welcome to the jungle pour, pour nous-mêmes en fait il y a un moment où tu as le processus de recrutement qui oui. est explicité. Et du coup, on explique en chaque bullet point combien d'étapes est-ce qu'il va y avoir et surtout avec qui le candidat sera en lien. Et en fait, sur le prénom, par exemple, bah, Darina, TeamLib Customer Delivery, bah, sur le prénom, il y a un lien vers le profil LinkedIn. Mmh, Donc bien comme bien ça, bien. si je veux postuler à une offre en particulier, je sais exactement quelles sont les personnes que je suis susceptible de rencontrer lors du process. Et je peux peut-être déjà aller voir leur parcours, ce qu'elles partagent déjà par ailleurs, ou commencer à poser une petite question les évolutions euh, chez Welcome aussi. On peut voir que quand tu es rentré en février 2020, Absolument. tu étais Tata et tu es devenu Tata. Euh... Exactement. D'ailleurs, euh, c'est une bonne phrase d'accroche. ça. Euh, Bonjour, j'ai vu que tu étais rentré, j'ai beau parcours et tout. Ouais, donc, euh, c'est pas mal ça, ouais. C'est un, bon, un bon icebreaker. Et puis, euh, peut-être euh, une autre bille que je peux te donner, nous chez Welcome to the Jungle, sur Slack, on a un channel oui. qui s'appelle Advocacy, justement. Ouais. Et c'est euh, un channel sur lequel... Les salariés sont encouragés à partager de l'information, diffuser de l'information et à être porte-parole de certains messages de Welcome to the Jungle. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle initiative, comme par exemple récemment, il y a eu Make Parenthood Matter sur euh, la, par la parentalité en entreprise. Donc, les salariés qui se sont concernés ou qui ont juste envie d'en parler bah, peuvent relayer l'information sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des initiatives comme celle-ci. Et. Je dirais peut-être aussi euh, encourager les salariés à prendre la parole en externe. Euh, tu vois, il y a quelques mois, j'étais à Grenoble justement pour euh, donner une conférence sur un marque employeur à French Tech Alpes. Avec le village Baïséa, c'est une intervention en externe avec la casquette Welcome to the Jungle. Mm -hmm. Donc je dirais et, déjà. Et ça, fait... aussi, hein, ça montre qu'on fait confiance aux salariés. Voilà, exactement, il... dans, ouais. dans les deux sens. Et ça peut être la même chose aussi euh, en faisant des interventions en école auprès des candidats. Mm -hmm. Et on voit que ça rapporte aussi euh, bah, des CV finalement. Oui. Chez Thornton, c'est les anciens de l'école qui vont prioritairement euh, oui. dans les écoles. Si, Alors ouais. évidemment, on privilégie euh, les alumni oui. euh, des écoles. Après, ils ne sont pas toujours disponibles, mais et puis, eux, ça les amuse plus en général d'aller euh, dans leurs anciennes écoles. Retourner au foyer, où on boit de la bière et ce genre <laughs> de choses, bien sûr. Et ça, ça, ça favorise véritablement la cooptation aussi, l'employé-advocacy. Ouais. C'est-à-dire, je me sens bien dans mon entreprise, je le fais savoir, encore une fois, euh, en toute volonté propre à chacun. Voilà, non ouais. du tout, c'est vraiment être volontaire. Et je vais aussi encourager les personnes que je connais à postuler et à rejoindre l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, chez Welcome to the Jungle, c'est à peu près 20% des salariés qui sont issus de la cooptation. Ça va être ma question. Ouais. Parfait, 20% chez Anderton, vous avez les, les chiffres ou... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en ouais. gros, chaque année, ça représente à peu près 10% de nos recrutements. Ouais, Je n'ai pas les chiffres de ceux qui sont présents au sein du cabinet, mais c'est effectivement, la cooptation pour nous, c'est un canal, un canal qui est, qui est idéal parce qu'une personne cooptée, elle est déjà, entre guillemets, bien sûr. ferrée d'une certaine manière. Euh, émotionnel aussi. Voilà. Dans le, dans Et le parcours. puis ils ont eu, ils ont déjà les éléments de preuve mm -hmm. qui euh, les incitaient à dire, bah oui effectivement. Euh, Et euh, vous vous l'encouragez aussi euh, financièrement, oui. ou C'est très intrinsèque. Non, okay. non, Il y a une On prime a des à la cotation. Oui, tout à fait. Qui a été mis en place chez Welcome. Absolument. Aussi, de la même okay. manière. Je suis ouais. super beau dossier. C'est euh, bah, un effort aussi du, du collaborateur de, de diffuser, donc, euh, donc pourquoi pas. Nous, c'est la validation de période d'essai, je ne sais pas si... Mais aussi, euh, c'est pareil. C'est pareil, oui, pareil, chez, chez Welcome euh, Je ne sais pas. Non, je ne sais plus exactement. Ok, très bien. On va passer aux... On peut avoir la question. Euh, on va passer justement aux questions-réponses. Donc, euh, vous avez dans le chat toutes les questions. Elles sont choisies par les équipes de Welcome et Supermood. Et donc, on va commencer tout de suite. Les premières questions. Super. Alors, la première question, c'est pouvez-vous expliciter le lien entre marque employeur et engagement collaborateur de La part de Clémence. Est-ce que tu veux, tu veux commencer Allez. Euh, alors, finalement, plus l'entreprise va expri exprimer, expliquer ce qu'elle fait à l'extérieur, et plus euh, forcément. Déjà, il va y avoir de, de candidatures entrantes, et aussi les personnes à l'intérieur vont se sentir valorisées. Euh, on parlait tout à l'heure de l'implication des collaborateurs de l'entreprise sur la vitrine Welcome to the Jungle. Tu me diras si je me trompe, Lauriane, mais c'est un bon moment en équipe en fait, quand on propose à des personnes d'être l'image, l'identité visuelle de son entreprise. Je trouve ça hyper valorisant. Donc, euh, je dirais que l'un dans l'autre, en effet, le fait de travailler sur la marque employeur et de faire le lien avec l'externe, tout en euh, euh, prenant par la main les, euh, les collaborateurs qui sont les plus représentatifs euh, de l'entreprise, bah ouais, forcément, euh, ça, ça crée de l'engagement. Si je prends, euh, si je rebondis là-dessus, en prenant euh, ma casquette un peu euh, psy, euh, l'engagement c'est défini par euh, plusieurs facteurs et il y en a trois grands. C'est le facteur organisationnel qui est l'entreprise, le local qui est les collègues ou le manager et euh, professionnel qui est euh, quel métier je fais, je peux être engagé, ne serait-ce que parce que je suis prof, quel que soit mon environnement, quel que soit, voilà. Et, euh, et la marque employeur, c'est vraiment quelque chose qui est très fort sur ce levier organisationnel. Quand vous, enfin, à une époque, en tout cas, quand vous alliez chez Google en tant que tech, vous y alliez pour Google, indépendamment du reste des, des autres facteurs. Bien sûr, ils, ils se nourrissent tous. Donc, euh, il y a un lien de, de marque employeur qui nourrit l'engagement, et aussi, comme tu disais, l'engagement qui nourrit la marque employeur, c'est un cercle. Et je pense que ce qui aussi, ce qui nous permet d'accroître euh, beaucoup l'engagement le, 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 de nos collaborateurs, c'est aussi le fait de prendre en compte leurs attentes. Euh, et c'est en ça que Supermoon nous aide beaucoup, c'est que c'est pas toujours facile de comprendre euh, les attentes des collaborateurs en fonction des générations, des métiers, etc. Et donc c'est un outil qui nous permet d'avoir bah, leur feedback régulièrement et de dire ah bah oui ça c'est une bonne idée, on va le mettre en place. Euh, bon ça on aimerait bien mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup de manière alternative pour à la fois répondre aux attentes des collaborateurs mais aussi répondre à nos contraintes à nous. Exactement. Enfin, voilà. En fait l'idée derrière Supermood c'est d'ouvrir un dialogue. Mm. Et quand on dialogue, ben, c'est beaucoup plus simple d'être transparent. Mmh. Euh, dans les entreprises qui font des enquêtes annuelles, c'est euh, vous avez un moment pour vous lâcher sur tout ce qui s'est mal passé et on reviendra vers vous euh, dans 3-4 mois. Quand on est dans quelque chose d'un peu plus régulier, ça permet d'être agile et donc de, de zoomer sur un sujet particulier, et également que les collaborateurs comprennent qu'il bah, y a plein, plein de sujets et que comme quand on développe un produit, il faut prioriser les fonctionnalités ou ce qu'on va mettre en place, mesurer l'impact et, euh, et puis itérer. Donc c'est ça qui est, qui est hyper important dans cette notion de dialogue de haut bas. Ce que tu disais, dé... c'est la DG, enfin la direction générale qui, euh, qui donne l'impulsion, mais ensuite c'est vraiment un dialogue qui monte et qui descend entre euh, entre la base et le, ouais. et le et les concepts. Super. On passe à la prochaine question. Euh, comment Supermood vient aider l'entreprise à récolter le feedback des salariés, Clémence Super question, Clémence. Euh, donc le principe de Supermood, c'est tout simple, euh, c'est on va envoyer des micro-enquêtes régulièrement. Donc, c'est des petits questionnaires qui font entre 3 et 10 questions. Ça peut s'envoyer tous les mois, tous les trimestres, toutes les semaines. Ça dépend de la transformation. Et donc, on va créer un dialogue avec les collaborateurs. Ils répondent de façon anonyme. Et on prend toute cette donnée. Et cette donnée, on peut l'analyser bah, par ancienneté, par genre, par métier. Et donc, ça permet de factualiser et de piloter, non pas dans le noir, mais piloter avec de, de la data. Euh, voilà ce qu'on fait. Et donc Supermood accompagne sur la création des questions, l'analyse et surtout la communication avec les collaborateurs, qui est hyper importante. On ne dit jamais que rentre dans une démarche d'engagement structurée, mais plus. On est un outil, une troisième voie de dialogue euh, qui est donc pas managériale ou euh, par les réseaux euh, et qui permet d'itérer. Et donc, c'est quelque chose finalement qui est présenté comme assez léger. Et donc, euh, voilà, on, on intervient sur une entreprise de, enfin, des entreprises de moins de 100 personnes à peu près, à partir de 100 personnes, jusqu'à la moitié du CAC 40. Donc, c'est 100 000 collaborateurs où là, on a des équipes qui permettent de relayer selon les métiers. Vous êtes à la SNCF, que vous soyez un conducteur, un, un ingénieur informatique ou dans le marketing de la SNCF Voyage, c'est complètement différent. Voilà pour la petite, euh, la petite réponse sur Supermoon. Alors, une autre question, en tant que responsable marque-employeur, comment peut-on travailler sur la marque-employeur interne Quels sont les leviers d'action une fois que les piliers de la culture ont été définis Question d'Adèle, pour toi, Lauriane Comment peut-on travailler sur la marque employeur interne bah, en fait justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, et les leviers d'action une fois que les piliers de la culture ont été définis. Alors mmh. le très gros boulot au début, je trouve, c'est justement et c'est en ça qu'on a vraiment, enfin que l'aide d'une agence de communication a été indispensable, c'est d'analyser toute la data qui est, qui est ressortie de, des ateliers, des sondages, etc. Euh, de construire les piliers justement et de, de définir les éléments de preuve qui soutiennent chacun des piliers. Et de dire, bon là je vous parlais tout à l'heure du potentiel individuel, le fait qu'on qu permette aux, aux collaborateurs de développer leur confiance en eux via les formations. Bah, le réflexe, c'est de se dire, OK, donc ça, c'est un élément de preuve, c'est nos parcours de formation, comment on les met en valeur À la fois en interne, à la fois en externe. Est-ce qu'on communique assez bah, Non, on communique assez sur, sur nos, nos, notre catalogue de formation. Donc, il faut peut-être faire quelque chose. À l'inverse, dire à l'externe comment est-ce qu'on peut mettre en avant la formation correctement sans que ce soit un peu lourd et ennuyeux pour les personnes ça pour le coup c'est pas mon métier. Mais, mais voilà, donc il y a un très très gros boulot au départ de définition et, et d'adresser je dirais euh, chacun des, des éléments de preuve de la marque employeur. Et après, elle évolue constamment. Euh, et ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est qu'il faut toujours la croiser avec les attentes du marché. Euh, ce qui était vrai il y a trois ans, quand on a, quand on a commencé à travailler sur la, la marque employeur, évidemment mmh. n'est plus vrai, enfin, en tout cas. C'était en plein Covid. Voilà, c'était ouais. en plein Covid. Donc, les attentes ont évolué. Ce qu'on met en avant aujourd'hui de notre marque employeur ne sont certainement pas les, les, les éléments qu'on aurait mis en avant il y, a, il y a deux ans et certainement pas ceux qu'on mettra en avant dans cinq ans. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment une évolution constante. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment un travail d'équipe. Et pour moi, le responsable marque employeur, entre guillemets, d'une entreprise, il faut qu'il travaille conjointement avec la com, il faut qu'il travaille conjointement aussi avec, euh, euh, je dirais, des partenaires marchés dans l'écosystème du recrutement, euh, qu'il ait un pied aussi dans le recrutement en interne pour dire, bah, en fait, tels métiers sont pénuriques, tel métier un peu moins, tel profil. C'est vraiment un, un fourmillement, je dirais, d'informations. De, de, et, et avec de la direction et avec le, Bien euh, sûr. les collaborateurs. Ouais. Une question que vous pouvez poser, qu'on pose dans Supermood, c'est euh, par exemple sur la bienveillance. Demander euh, aux collaborateurs comment la bienveillance se traduit sur au le quotidien. terrain au quotidien. Mmh. Et là, il y a plein justement d'initiatives qui parfois sont des signaux faibles complètement cachés. Mmh. Et on se rend compte que le candidat, finalement, quand il passe ses, ses, euh, ses oraux, on va dire, mmh. euh, c'est soit par visioconférence, soit une journée dans les bureaux du, du siège, par exemple. Donc il voit très très peu. Mmh. Donc comment on arrive à lui mettre sur son chemin mmh. des éléments de preuve C'est un truc qui est, qui est hyper intéressant. Mmh. Et avant la préparation de ce live, tu me disais que vous aviez pris en fait deux agences, oui. une agence plutôt sur cet audit, cette définition, Exactement. et une agence de déploiement. Exactement. On a pris une première agence euh, beaucoup sur oui la data interne, je dirais, hein, et la deuxième qui nous a accompagné plus sur le volet création de contenu, définition de concepts visuels ou vidéo, etc. Euh, pour qu'on puisse justement adresser le marché de manière pertinente. Euh, en fonction de, 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 des éléments de notre marque employeur qu'on souhaitait euh, mettre en avant. C'est important d'avoir les, mm. les deux. Et puis en plus de ça, comme tu disais, c'est un travail à refaire euh, assez régulièrement pour euh, rester mm. au goût du jour. Mm. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans nos abonnements, chaque année, on propose de refaire les contenus, mettre à jour les photos, mettre à jour les, les vidéos et mettre à jour le texte aussi. Dans, dans les startups qui bougent beaucoup, c'est souvent refait. Euh, dans un grand groupe, c'est refait euh, chaque année. Alors, 100% des abonnements euh, ouais. inclus, euh, comme c'est des forfaits, 100% ouais. des abonnements inclus, cette prestation de, de renouvellement, de mise à jour des contenus. Mmh. Après, en effet, en fonction du, de la charge que ça représente, euh, ça peut être utilisé ou pas. OK, très clair. Prochaine question, comment mesurer l'impact de la marque employeur Côté Welcome, vous le, vous le mesurez Alors, euh, ça peut être euh, des, mesures, des outils de mesure quantitatifs. Donc, ça peut être combien de candidatures j'ai reçues. Mmh. Mais attention, il ne faut pas le limiter à ça, parce que la marque employeur ne veut pas dire recrutement. Mmh. Donc, et nous, c'est un peu notre combat aussi de se dire que une vitrine sur Welcome to the Jungle, ça va être un support d'information. Mais ça va pas être le job board en lui-même. Donc, il euh, n'y a pas que des statistiques de, de, de recrutement. Mmh. Je peux très bien avoir vu une offre d'emploi sur un, un, un job board qui, qui en est un, en tant que tel, et me dire tiens, je ne connais pas cette entreprise, ou tiens, à quoi est-ce qu'elle ressemble Je vais me nourrir des contenus visuels et textuels qui sont sur Welcome to the Jungle, avec peut-être certains aspects, type la culture ou euh, les avantages dont on a parlé tout à l'heure, qui figurent sur Welcome to the Jungle. Mm -hmm. Et une fois que je suis convaincue et que j'ai envie de postuler, bah, je retournerai sur le site. Donc là, concrètement, il y aura euh, mm. une visite, mais il n'y aura pas une candidature, parce que la candidature, elle sera arrivée ailleurs. Donc je pense qu'il y a à la fois cet aspect euh, quantitatif, certes, mais il y a ouais. aussi beaucoup d'aspects qualitatifs. Et ça peut euh, être un, un outil de mesure qualitatif. Bah, tiens, quand j'ai une personne qui vient en, en entretien, je vais lui dire bah, comment est-ce que vous nous avez connus ou qu'est-ce que vous avez compris de nos valeurs ou comment est-ce que vous verriez euh, votre contribution en termes d'engagement RSE chez mmh. nous. Euh, voilà. et, et les candidats, souvent, ils vont euh, en fait reformuler un propos qu'ils ont entendu dans une interview métier sur Welcome to the Jungle, oh par exemple. Ouais. Donc euh, là, on fait quand même le lien entre, je dirais, la notoriété au sens large et aussi les recrutements. Il y a une notion d'attribution et... et souvent c'est une ou deux raisons, non C'est pas les candidats vous récitent pas dix raisons. Euh, bah, là, ce sera un peu, ce et... sera un manque de discernement pour ouais. le coup. <laughs> mais euh... oui, oui. En, en, en réalité, la marque employeur c'est quelque chose de beaucoup plus large. Mm -hmm. Et euh, tu vois. Euh... Par exemple, ça peut être simplement comment est-ce que j'ai connu cette entreprise avant d'aller bosser Très clair. Ça chez, peut être tout simple. Chez Grand vous faites ces interviews qualitatives lors du recrutement Oui, on leur vrai. demande après souvent, on leur pose en fait la question de savoir qu'est-ce qui vous intéresse chez nous okay. euh, En mettant un peu les pieds dans le plat, mmh. Euh, mmh. pourquoi nous plutôt qu'une autre entreprise Le salaire, j'imagine, seulement. Oh, oui, voilà. Oui. <laughs> euh, et en fait, les, les réponses sont assez. Euh, Bon, sont évidemment variées et assez surprenantes et agréables à entendre souvent. Parce que d'ailleurs, moi, je me souviens d'une fois où j'ai eu un candidat au téléphone qui me dit Ah, bah ben non, moi j'ai regardé votre vidéo sur Welcome, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, je suis allée regarder les autres. Après, je suis allée me renseigner sur d'autres sites, etc. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Oui. Et après, j'ai regardé par quel canal il avait postulé il avait postulé sur notre site carrière. Ouais. Voilà. Euh, donc il y a vraiment cette recherche d'informations euh, qui est assez, euh, assez euh, permanente. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais Kevin, chaque candidat est sensible à des choses très différentes. Il y en a qui vont nous parler de nos engagements RSE, par exemple, pour qui c'est vraiment prégnant euh, et chez qui ça résonne. Et il y en a d'autres qui vont nous parler du parcours de carrière. D'autres qui vont nous dire, ben, en fait, vous avez des équipes à taille humaine. Moi, je préfère évoluer dans ce type d'environnement plutôt qu'évoluer dans, de, dans, dans un, des équipes de taille beaucoup plus importante. Enfin voilà, chacun a ses... Mmh. C'est voilà, levier de motivation. Ouais. Très bien. Chez Supermood, on accompagne sur ces sujets. Les métriques vraiment de mesure, c'est euh, côté recrutement, c'est euh, le nombre de candidats, mmh. euh, est-ce qu'il est en augmentation ou pas, euh, le temps pour un recrutement, il y a ouais. ce côté efficacité, et surtout le nombre d'acceptations d'offres qu'on ouais. euh, qu essaye de faire augmenter. Ouais. Euh, et de l'autre côté, c'est rétention, engagement, bon, ça c'est notre euh, métier ça. cœur. Mais voilà, il faut mettre les deux. Toujours et, les deux cibles. Les deux cibles. Et on peut aller un peu plus loin. On fait souvent satisfaction et, et euh, rétention à six mois aussi, puisqu'il y a une grosse déperdition sur la période d'essai, généralement. Donc l'idée, c'est de minimiser cette, cette déperdition. Prochaine question. Dans quelle direction faut-il rattacher le pilotage de la marque employeur Communication, RH, direction générale, c'est une question de Myriam, c'est une excellente question, un, un grand casse-tête. Chez Grand Horton, c'est chez bah, qui Oui, j'ai un peu répondu euh, malgré moi tout à l'heure, mais en, je, pff, on n'a pas de responsable, en fait, Marc employeur chez Grant Horton. Moi, je m'en occupe sur les volets recrutement, mais je travaille énormément avec la Com, je travaille énormément avec les RH, et c'est un sujet qui est évidemment porté par notre direction générale et, et le président aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe conjoint en fonction des expertises métiers des uns et des autres, parce que mmh. ce qu'on se disait, c'est que c'est vraiment des, des sujets qui sont au carrefour euh, de plein de compétences et d'enjeux pour une entreprise, euh, d'où l'importance, je pense, de mobiliser des, des experts de métiers euh, assez différents. Assez ouvert. De, de ce que vous constatez de vos clients, c'est traditionnellement Traditionnellement, c'est euh, sous qui Non, je ne peux, peux pas, pas donner un persona, comme le <coughs> disait Lauriane. Je dirais ça dépend de la taille de l'entreprise, parce Bien que sûr. plus elle va être petite, bah, plus ce sera euh, la direction. Mm -hmm. Et plus elle sera grande et plus elle sera structurée, bah, ça, ça peut être communication marque-employeur. Enfin, voilà, ça peut être euh, de plus en plus euh, précis. Mais comme vrai. disait Lauriane, c'est un travail vraiment collectif. Hein. Ouais. Là, on parle du porte-parole, mais tout le monde doit la travailler en réalité. Même, même constat de, de notre côté. Ça donne une teinte hein, quand même à, à la marque employeur, selon si c'est rattaché plutôt côté communication, plutôt côté RH. Euh, mais de toute façon, le, le top management doit, être, euh, doit avoir les mains dedans. On va prendre encore euh, peut-être une question euh, avant de finir ce live. Euh, donc, c'est une question de Cynthia comment la marque employeur peut soutenir une démarche de conduite de changement de culture d'entreprise et du management Vaste question, on, on, on traite beaucoup chez nous. Il euh, y a vraiment un lien entre ce que les collaborateurs ressentent à l'intérieur et voient à l'extérieur. Donc, par exemple, dans les métiers de l'énergie, il y a tous les acteurs de l'énergie qui, euh, qui se positionnent sur le renouvelable ou sur des transitions un peu plus, un peu plus durables. Et on, on mesure souvent via Supermood le fait que, bah, factualiser et à externe, voire à la télé dans des papiers, que ce qui est dit en interne par l'entreprise, c'est aussi un commitment public. Mmh. C'est quelque chose qui améliore beaucoup le beaucoup l'engagement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate chez Gantorthen côté. Euh, bah, nous en vous fait, c'est exactement. Oui, <coughs> ouais, on est en plein dedans. C'est en fait la marque employeur. Donc, et, et, et vient des feedbacks des des collaborateurs. Et nous permet, parce que évidemment il remonte des choses positives, mais il remonte aussi des choses négatives. Donc, c'est aussi une source d'information très importante euh, pour changer justement euh, les, organi les organisations, euh, les méthodes managérielles, etc. Chez nous, euh, par exemple, les associés, l'intégralité des associés ont, ont signé la charte de la bienveillance, okay. qui les engage, alors moralement, mais qui les engage. Euh, justement à adopter euh, des comportements euh, exemplaires et bienveillants vis-à-vis -vis des collaborateurs, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de leurs pairs et aussi vis-à-vis -vis de, des clients. Euh, donc euh, c'est vraiment des, un, un objectif aussi de comportement euh, pour nous et ça nous permet d'amorcer et de continuer effectivement cette conduite du changement et, et faire évoluer notre, notre culture d'entreprise. Super, ben, on va clôturer ce live. Un, petit, un dernier mot, Darina, avant de passer le... Bah oui, juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Lauriane, je pense que sur Welcome to the Jungle, c'est une fenêtre un peu inspirationnelle pour voir un petit peu le comportement du marché. Mmh. Si on voit qu'il y a des entreprises qui mettent en avant tels atouts et que moi je ne les ai pas et que je vois que j'ai peut-être moins d'entrants que ce que je voudrais, ça me permet aussi de me remettre en question et, et comme ça d'aller vers cette fameuse conduite du changement, je trouve. Super. Eh ben, C'est la, la fin de ce live. Vous pouvez retrouver donc le replay qui vous sera envoyé par mail. Vous le retrouvez sur le site de Welcome to Jungle et de Supermood. On espère que c'était un bon moment. Il y a des centaines de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On en est désolé. Ce sera pour le prochain live. Donc, merci beaucoup. Merci Lauriane. Merci, merci. À Darina. Merci. Et puis, ben, bon appétit tout le monde.